Oh, Jésus, je déteste l'institutrice qui a remplacé Miss Brody. Je lui ai dit au préau, j'ai dit Miss Potts. Miss Brody disait qu'on était la crème de la crème. Elle a dit, c'est à cause de ça que tu as l'air si tard. Mais tu sais, l'intelligence ne l'étouffe pas. Tiens, par exemple, tu sais ce qu'elle a dit l'autre jour à mon amie Diane? Est-ce que tu lis le papier sur lequel tu es assise? Et Diane lui a dit, oui, Miss, j'ai jeté un œil dessus. L'autre jour, Miss Potts nous a emmenés dans le parc et je suis grimpé aux branches. Il a dit, si jamais tu as les deux jambes en 1000 morceaux, ne viens pas me courir après. En classe, elle a demandé, qu'est-ce que c'est qu'un paravent? J'ai dit, c'est une sorte de parapet. Elle a dit, nommez 5 animaux de la ferme. J'ai dit, il y a 4 cochons et le fermier. Elle a dit, dans quoi trouve-t-on le plus grand nombre de lettres? J'ai dit, dans la sacoche du facteur. Elle a dit, est-ce que quelqu'un sait épeler xylophone? Moi, j'ai dit, je peux faire en orientant. Elle a dit, tu es en forme aujourd'hui, Ambrosia. D'accord, tu sais peut-être nous l'épeler, mais sais-tu au moins ce que ça veut dire? Alors j'ai demandé à aller aux toilettes. Oh, bon sang! Avec Miss Brody, on a été aux eaux. Si tu avais vu le pique-nique, il y avait de la tarte, de la crème, du cake. Mais comme c'était pas facile à digérer, on a eu du thé. Mais c'était pas suffisant pour Jenny. Alors, elle s'est approchée du chimpanzé, a passé la main par les barreaux et elle a chipé la banane du chimpanzé. Il était tout en colère. Ma jeune sœur a été voir les éléphants et elle est revenue en larmes, en tremblant et tout pâle. Elle a dit, Miss Brody, il y a une grosse bête énorme qui a piqué mes brioches avec son queue. Alors, Miss Brody a dit, alors elle a pris les brioches avec son queue, mais tu n'as pas besoin de pleurer pour ça. Qu'est-ce qu'elle a fait ensuite avec les brioches? Et ma sœur n'a jamais osé le dire. On n'a pas vu les beneficium allocatus familium. Jamais on les voit parce qu'ils n'arrêtent pas de pondre, a dit le monsieur du zoo. Mais Miss Brody a dit, est-ce qu'ils se montreraient pour une poire? Et l'homme a dit, mademoiselle, qu'est-ce que vous risquez? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle réponde à ça? Et puis, après, l'homme nous a autorisé à voir le léopard avec 365 taches brunes. Une pour chaque jour de l'année, qu'il a dit. J'ai dit, oui, mais les années bissextiles? Il a répondu, c'est très simple. Ces années-là, on le détache tout simplement. Elle me sort des yeux, cette Miss Potts. J'en ai mon estomac plein de nœuds. C'est vrai, je la déteste. On doit se lever tous les matins à 7 heures, mais je me lève à 6 comme ça. J'ai 1 heure de plus pour la détester. Elle essaye de me coincer tout le temps. Elle dit, comment un golfeur prend-il son thé? J'ai répondu avec du sucre caddie. Elle dit, qu'est-ce que c'est qu'une baignoire? C'est ce qui sert aux enfants pour résoudre les problèmes de robinet. Elle dit, qu'est-ce que l'air? J'ai répondu, une musique sans parole. Oh, elle a demandé aussi, un miel, qu'est-ce que c'est? Alors j'ai dit, c'est ce que Cambronne a répondu aux Anglais à Waterloo. Miss Brody a organisé un feu d'artifice avec le prof de français, Monsieur Lapetit. Elle a allumé une fusée sous son jupon et elle avait le feu au derrière. Même Miss Brody, elle est drôle. Et il y a des moments où on la chahute parce qu'elle n'est pas encore mariée. Elle nous répond, lorsqu'on est une beauté comme moi, on épouse que le prince de Galles. Mais la Galles, elle l'a déjà. Un jour, un officier de cavalerie m'a demandé en mariage. Je l'ai repoussé, son cheval avait une sale tête. Je l'ai vexé beaucoup, je crois. Et il a fini par épouser son cheval. Il y a peu de jeunes filles pour avoir mis à genoux des membres de l'aristocratie, qu'elle dit. Mais si je me marie un jour, une bonne centaine d'hommes seront malheureux. Je lui ai répondu, pourquoi en épouser autant? Jeudi dernier, c'était l'enterrement de Miss Brody. Il fallait bien l'enterrer, elle était morte. Il y avait des quantités de fleurs. Et gravé en doré sur la pierre derrière le trou, si j'ai une adorable lady qui a passé toute sa vie à être la bonne mère de centaines d'enfants, bien qu'elle soit toujours restée vierge et pure. Sa vie se résumait au score le plus simple. Jamais de transformation.
Jamais d'essai. Jamais de penalty. Je crois qu'elle n'a même jamais eu le ballon. Allô, qu'est-ce que tu fabriques? Tu ferais mieux de venir m'aider à ranger la bibliothèque? Oh, j'arrive, Miss Potts, j'arrive, Miss... Oui, oui, je vais vous aider, Miss Potts. Vous savez que je vous adore, Miss Potts. Celle-là, j'aimerais bien l'enterrer même vivante. J'arrive, Miss Potts.